Eh bien salut à tous, bienvenue sur votre chaîne RPG pour un nouveau Live Vide Grenier. Live Vide Grenier qui s'est passé la veille de l'instauration du pass sanitaire. Donc même s'il pleuvait, que c'était bien nuageux, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis levé et je suis allé chiner. Je suis parti en direction du Havre voir s'il y avait un petit peu d'exposants. Il y avait un petit peu d'exposants. Merci, vous les vendez combien s'il vous plaît? 1 € l'unité. D'accord. Même pas pour l'été, hein. Merci. Vous avez que ça en jeu vidéo ou autre chose? Non, pour l'instant, il n'y a que ça, ouais. Pour l'instant? Je pense qu'il n'y a que ça. Ok. En fait, ça, mon mari, il est parti chercher le reste. Pas de soucis. Il m'a parlé que de ça, donc je pense que... Ouais, pas de soucis. Je vais vous prendre 5, là. Ça fera, ouais. Ça fera un compte-con comme ça. Qu'il y en a qui s'est fait chourer son vélo. Bonjour madame. Bonjour. Pas en vous déranger en plein travail. Auriez-vous des jeux vidéo à vendre par hasard? Oui. Oui. C'est tout simplement la Wii. Ah oui, oui, c'est la Wii. oui, ça pourrait m'intéresser, ouais, s'il y a des jeux. Sans vous déranger, si ça vous dérange, on passera après. Ceux-là sont accessibles pour l'instant. D'accord. Après, il y en aura peut-être d'autres en dessous, mais... Voilà. Ok, bah, je vous repasserai après, vous ne dérangez okay, pas, je peux vous déranger. Merci. Bonjour. Bonjour. Non, je cherche des jeux, c'est pour ça que je vous laisse. Ah oui, bah c'est parce que j'en ai. Je vous laisse déballer tranquillement. Ça dépend ce que vous recherchez, quelque chose en particulier. Non, de tout, je collectionne donc je recherche tout et rien, on va dire. Donc, bah, j'ai Switch, là, il y a 3DS, vous venez regarder. Je veux bien, ça vous dérange pas? Non, il n'y a pas de soucis, là j'ai. Il y a toutes les PS4. Vous les vendez à combien les jeux Switch? Les jeux Switch? Ça dépend desquels. Le Mortal Kombat, il a combien? Il est à 30. D'accord. Bah, vite, si je peux voir carrément la liste, ça ira plus vite. Si vous voulez, je peux aller plus en même temps, donc comme ça, ça vous. Ouais, ce sera voir. Plus vite. Oui, oui, je suis en train de les défaire. Ça peut arriver. Ah ouais. Hop, je vous remercie. Après, je fais des lots, après, si vraiment... Oui, ça marche. Et après, les après, j'ai sur le bon coin et tout ça. J'ai la plupart, donc...
Ok. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Au revoir. Donc sur ce vide-grenier, j'ai pas trouvé grand-chose à part une très belle affaire, des jeux Xbox 360 à 1€ pièce. Moi, j'ai pas cherché, j'ai pris tout ce qui m'intéressait. J'ai pris le Star Wars Knights of the Old Republic 2 pour 1€. Il est complet. J'ai pris le Dynasty Warriors 6, toujours complet. Ils sont tous complets. Ils sont complets en super bon état. Le Vanquish, super content parce qu'il y a son fourreau avec jaquette holographique. Ça a bien de la gueule. Je l'ai sur PS3, mais sur PS3, j'ai pas le fourreau. Ou alors, il n'y en a pas sur PS3. Très content. J'ai pris également le Perfect Dark Zero. Alors ça, j'ai déjà. Mais bah voilà, faut dire aussi que j'ai fait 40 bandes pour y aller, donc j'ai pris parce que c'est une pièce sympa, exclusif à la Xbox 360, donc ça partira à l'échange. Et pour finir, j'ai pris le Mass Effect 1. Alors ça, j'ai déjà, mais il est en version classique. Donc je me suis dit que j'allais échanger cette version-là ou la revendre et puis garder la version normale. Mais en fait, sur le classique, il y a un disque bonus qui n'est pas dans la version normale. Donc je sais pas trop, je pense que je vais du coup garder les deux quoi. Bon, en tout cas, Mass Effect 1 que j'avais fait à l'époque sur PC, j'ai surkiffé. J'essaierai peut-être de me choper plus tard le Mass Effect Legendary Edition qui est sorti récemment, qui est une version compilation remasterisée des Mass Effect 1, 2 et 3 sur PS4 et Xbox One. Voilà, je verrai bien. Donc du coup, je suis parti sur un second vide-grenier pas trop loin à 7h30. Bon allez, on va décaler sur un autre vide-grenier. Il est 7h30. Ouais, je vois, j'en ai un vidéo et on a acheté justement le vidéo. Bonjour monsieur, ils sont à combien vos jeux de PS4 s'il vous plaît? J'ai le papier. Alors, tout ce qui est FIFA. Pour les bons soutiens, c'est 1 ou 2€. Après, Farsi, Red Dead 15, et puis les autres, ça à 10€. 10€ les autres, ouais. Ok. Bah, je sais pas, c'est à mon conjoint, alors là, il est parti faire un tour. Donc, 3€, non? Non, 5, ah, non, 5 euros, puis les USB et tout ça. 5. Bon, je vais faire un tour, je repasserai après. Ok, pas de soucis. Merci. Pas le retour? Non, on va pas le revoir. Bonjour. Bonjour. Il a combien celui-ci? C'est un PS2, il n'y a pas le prix dessus. C'est 2€ celui-là, monsieur. Je sais comme il est assez, vieux quoi. Ah, puis elle est pas attention, elle est petite, elle est chouette. Bon, c'est pas grave. Ouais, bah oui. La PS3 3€, PS2 2€, ça colle. Voilà. Je vais vous le prendre. On se demande c'est pas un PS5. 5€, peut-être qu'on les mettrait. Hein. Au revoir, madame. Bonjour, je tiens combien vos jeux s'il vous plaît? 5€. 5€. Ouais. Ouais, je sais pas, ils sont tous partis là, toi. Et... il me dit je reviens, et Herman il est pas là. Herman, il est parti d'abord. Alors non, bah ici ça me fait 30 balles moi. Bonjour, vous êtes perdu ici? Oh bah tout le monde nous dit ça. On est au coin. Désolé d'avoir acheté cette maison là. Au moins c'est au calme. Oui. C'est combien vos jeux de PS4 s'il vous plaît? 5€. 5€. Je vais vous en prendre, je prends celui-là. Ok.
Ah, la famille. Un chou. La serviette bleue. Oui. Bonjour madame, c'est combien vos jeux s'il vous plaît? Et puis les jeux PlayStation. Les jeux c'est 3 euros en principe. Celui-là, 3 euros. C'est 2, mais sinon c'est 3. Celui-là c'est 2, c'est ça? Ouais. Ouais. Si je vous prends les deux pour 3 euros, ça vous va? Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est combien vos jeux, s'il vous plaît? Il y a tous les petits prix sur les. D'accord, boîtes. C'est individuel, ça marche. Oui. Les cartouches, si besoin, tout est dans mon sac. C'est mieux. On a eu un jour le problème. Alors c'est ce que beaucoup de gens disent. Après, c'est négociable si besoin. Oui, j'imagine. C'est combien de la 2 euros. Il a combien celui-ci? Celui-là, il est à 40, il est encore à 54. Après, je peux le laisser à 35. Non, je comprends bien. C'est juste pour savoir, parce que j'ai même pas la console. D'accord. C'est vraiment pour savoir. Il est encore à 54 sur Amazon. Donc. Oui, il est sorti il y a pas longtemps. Merci. Merci, bonne journée. Attends, on se maintient. Bonjour. Tu m'as dit 10 euros. Ouais, il est tout neuf, il n'a jamais été porté. Bon, tu veux un gâteau, Nana? Ils sont à 1 euro. Quoi? Il y a 3 euros. Mario Kart Live Circuit à 40 balles? Franchement, je sais pas quoi en penser. Donc, arrivé sur place vers 8h moins le quart, il y avait encore des petites choses, mais beaucoup, beaucoup de chineurs. J'ai pris sur ce vide-grenier deux jeux PS1, les Raz Moquette. Alors, on a À la recherche de Reptar et Font leur cinéma. J'ai payé ça 3 euros pour les deux. Ils sont complets, mais les boîtes sont pétées. Bon, c'est du PS1, ça fait plaisir d'en rentrer parce que c'est très, très rare. J'ai pris également le Mortal Kombat Deadly Alliance complet, mais notice déchirée sur la couverture. Bon, pour 2 balles, ça va, c'est pas très cher. J'avais poncé celui-ci sur GameCube, il est excellent. Enfin, il était excellent à l'époque. C'est vrai que, bien sûr, aujourd'hui, avec les Mortal Kombat 10 et 11, ça a pris un petit coup de vieux, mais ça reste très très sympa à jouer. J'ai pu trouver également le Gran Turismo Sport pour 5 euros, donc malheureusement, c'est une version Day One. Ouh, pas bien! Mais bon, pour 5 balles, je voulais vraiment le tester, donc ça, je le mettrai dans la console à l'occasion. Et on verra si c'est aussi bien qu'à l'époque. Hein. Moi, j'ai pas joué à un Gran Turismo depuis le Gran Turismo 2, que j'avais vraiment saigné de A à Z. Bon, ça fait pas mal d'années que j'ai pas touché à un Gran Turismo. Donc, j'ai testé celui-ci à la PA Games Week en VR. Il était en démo, c'était plutôt sympa à voir en version console normale. Et enfin, oui, je l'ai pris, même s'il était à 10 balles. Mais voilà, j'ai pris le Resident Evil 2 Révélation avec tous les DLC dessus. Donc voilà, je mets jamais 10 balles pour un jeu PS4 en vide grenier. Mais là, c'est vraiment un jeu que je recherchais. En plus, je me suis dit que je l'avais en stock en version soldée que j'avais acheté. Mais non, par chance, je suis rentré et en fait, j'ai le 1 en version donc blister. Et j'avais pas le 2, donc je suis super content. Voilà, ce sera l'occasion de se lancer en let's play sur ma chaîne secondaire. Donc même si j'ai payé 10 balles pour un jeu de PS4, j'étais content de les mettre parce que c'est un jeu que je voulais, donc ça fait plaisir. Voilà, il faut se faire plaisir. Donc je suis plutôt content d'avoir fait pas mal de petites rentrées. C'est pas les jeux de l'année, hein, donc... Voilà, on est habitué sur la chaîne à ne pas avoir des, des VG de ouf, mais perso, je suis plutôt content. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Est-ce que de votre côté, vous trouvez votre bonheur en vide grenier? Voilà, dites-moi tout en commentaire et portez-vous bien. À très bientôt sur la chaîne RPG. Ciao, ciao.